Добрый день, я Жильда Сберу, компания Ладога. Я представляю вина Бордо, Бургундии и Луаре. Сегодня в режиме самоизоляции я предлагаю поехать в Бургундию, в Кот-де-Бон, посещать дом Домена Дутен и познакомиться с Кристофом Роше, генеральным директором Домена Дутен. Кстати, вы, может быть, уже знакомы с Кристофом, поскольку он неоднократно приезжал в Питер, в Москву, в Нижний Новгород. Кстати, он должен был приезжать к нам в Россию в апреле и принимать участие на Ладога Wine Pro в Челябинске. Но, как вы знаете, все мероприятия перенесены на неопределенное время. А пока Кристоф не может приезжать, он нас принимает в Савини-Лебон. Я думаю, что у него есть для нас маленький сюрприз. Bonjour Christophe, je te donne la parole. Bonjour Gildas, ça me fait très plaisir de te parler pendant cette période de confinement. Et par rapport à cette période très très compliquée, mais écoute, ça ne nous empêche pas d'être en contact. J'avais prévu de venir te voir ainsi que toutes les équipes de la Doga pour à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour aller visiter les monopoles et faire des actions de dégustation des vins de Dodin. Eh bien écoute, on ne peut pas le faire directement, mais je le fais un petit peu à distance. Je veux te souhaiter la bienvenue ici à Savigny-les-Beaunes, dans la maison Doudet-Nodin. Doudet-Nodin est une des plus anciennes maisons de Bourgogne. Elle a été créée ici à Savigny en 1849, ce qui en fait une des plus anciennes maisons de Bourgogne. Donc nous sommes ici à Savigny-les-Beaunes, au cœur de la côte de Beaune, au cœur des appellations Savigny-les-Beaunes, tout proche. Nous sommes à côté des appellations Alos Corton, Beaune, Beaune premier cru et la fameuse montagne de Corton où se trouvent bien entendu les Cortons Charlemagne et les Cortons Maréchaux. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc bienvenue ici à Savigny-les-Beaunes, la maison Doudet-Nodin. Eh bien, c'est une maison traditionnelle avec un domaine de 12 hectares, le domaine Doudet, et cette fameuse activité Doudet-Nodin qui nous permet aujourd'hui d'être présent sur presque la totalité de la Bourgogne, depuis Chablis jusqu'à la côte de Nuit, la côte de Beaune, la côte chalonnaise, le Mâconnais et un tout petit peu de vin du Beaujolais puisque le Beaujolais fait partie de la Bourgogne. Donc je suis très content de t'accueillir aujourd'hui ici dans la maison Doudet-Nodin. On est ici, tu vois, dans la salle d'accueil et la salle de dégustation qui nous permet de recevoir des sommeliers, des cavistes, des journalistes et bien sûr faire nos sélections et nos dégustations professionnelles. Ce que je te propose, Gildas, c'est qu'on va aller faire un petit tour ensemble dans le cœur de la maison, c'est-à-dire dans la cave, là où sont élevés les vins Doudet-Nodin, dans les fameuses pièces bourguignonnes, les barriques, les fûts, on appelle ça les pièces en Bourgogne. On y va tout de suite, suis-moi. Voilà Gildas, on se retrouve dans les caves de la maison Doudet-Nodin. Ce sont des caves qui datent du début 1800. C'est là où a commencé l'histoire de la maison, en 1849, mais les bâtiments ont été construits à peu près en 1800. Et toute la maison a été construite sur ces fameuses caves qui font presque 3000 m². C'est un dédale de petites caves un petit peu de partout, là où sont élevés les vins Doudet-Nodin et les vins du domaine Doudet. Ici, par exemple, c'est un Beaune premier cru sans vigne 2018. Donc, les 2018 sont encore en élevage, ils ne sont pas encore mis en bouteille. On commence seulement à attaquer les mises en bouteille des millésimes 2018. Et quant au 2019, bien sûr, ils sont encore tranquillement en élevage. Donc, dans ces fameuses pièces bourguignonnes en chêne français avec à peu près 30% de bois neuf, à peu près de renouvellement chaque année. Ça dépend bien sûr des appellations, mais ici c'est vraiment, comme tu peux le voir, le cœur de la maison Doudet-Nodin et là où se passe le moment le plus important, c'est-à-dire l'élevage, tranquillement, les vins, ils sont là, au frais, c'est cave, à peu près 12 degrés, on est bien, les vins sont bien pour s'élever tranquillement. Mais je vais te présenter quelque chose d'autre, une petite cave intéressante, là où se trouvent les trésors de la maison Doudet-Nodin, les vieux millésimes. Viens avec moi, je vais te montrer une petite surprise. Voilà Gildas, c'est par ici que se trouvent les trésors de la maison Doudet-Nodin, les vieux millésimes.
Comme tu peux le voir dans ces vieilles caves, les vins sont parfaitement protégés avec un niveau d'humidité parfait, une température de 12 degrés toute l'année, pas de variation entre l'été et l'hiver. Et à chaque fois, ces lots qui sont identifiés par des ardoises avec le code millésime et l'appellation. Mais ça, c'est un secret, je ne vous donnerai pas la clé pour reconnaître les appellations. Il n'y a que nous qui les connaissons, bien sûr. Donc à chaque fois, le code millésime et le code appellation. Viens, suis-moi, tu vas découvrir ces vieilles caves avec ces lots de, un petit peu de partout, comme tu peux le voir. Et ici, par exemple, une petite surprise, eh bien, écoute, je vais quand même te dire ce que c'est. Ici, ce sont des millésimes 1970. Tu te rappelles mon année de naissance? Et c'est quelques bouteilles que j'avais amenées pour déguster ensemble à Saint-Pétersbourg lors d'un dîner tous ensemble. Donc, c'est vraiment ici que se trouve le cœur stratégique du vieillissement des vins de la maison du Bémoda. Et écoute, je te propose, pour continuer après cette magnifique visite, on va remonter dans la salle de dégustation et on va déguster ensemble un Pernod Vergelès 2014 que vous avez actuellement sur le marché en Russie, dans de nombreux restaurants, des très très beaux restaurants en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Eh bien écoute, je te propose qu'on remonte, tu me rejoins tout de suite et on va déguster le Pernod 2014. Voilà Gildas, eh bien on se retrouve dans la salle de dégustation pour parler du Pernod Vergelès 2014. Du domaine d'Oudet. Pernod Vergelès, c'est un village qui se trouve à 3 km d'ici. Alors on est à 5 km au nord de Beaune, 3 km de Savigny-Beaune. C'est un triangle entre Beaune, Pernod et Savigny. Pernod Vergelès, c'est un magnifique petit village au pied de la montagne de Corton, là où sont produits les Cortons Maréchaux et les fameux Cortons Charlemagne. Pernod Vergelès, c'est une appellation avec des sols plutôt granitiques et sur un petit peu des marnes argileuses un petit peu qui donnent beaucoup de rondeur et d'élégance à ces vins de Pernod Vergelès. En termes de vinification, eh bien entendu, les vendanges manuelles, tout est fait manuellement ici en Bourgogne et notamment pour le domaine d'Oudet. Vendanges manuelles avec ensuite des cuvaisons assez longues de l'ordre de 18 jours à peu près, avec un égrappage partiel, on garde à peu près 15% de rafle pour donner ce côté un petit peu solide et costaud au vin du domaine. Et ensuite, bien sûr, un élevage, les vins vont descendre dans la cave que vous avez vu il y a quelques instants, pendant à peu près 14-15 mois d'élevage. On a donc actuellement, bien sûr, encore toujours les 2019 qui sont en élevage. Les vins de Pernod, ce sont des vins qui sont délicats, élégants, avec beaucoup de fruité, quelques notes un petit peu épicées de poivre blanc et ces fameuses notes de pinot. Parce que bien sûr, ce que je n'ai pas dit, mais tu le sais bien entendu, c'est que les vins de Bourgogne et de Pernod notamment sont 100% pour les rouges faits à partir du cépage pinot noir. Donc, des notes assez fruitées, fruits rouges. Et sur ce 2014, il commence à apparaître quelques notes un petit peu animal, un petit peu cuir, un petit peu sous-bois, ce qui fait que les caractéristiques de ce vin iront particulièrement avec, par exemple, un bœuf mijoté, par exemple, avec des gibiers, avec un lièvre à la royale, par exemple, qui est un plat qui est très très délicat avec lièvre, foie gras, également des viandes en sauce, des viandes en sauce marinées, ça peut être également des filets de canard au barbecue, c'est la saison, ça ira parfaitement, et avec des associations avec des champignons. Ce Pernod 2014 ira parfaitement avec ce type de plat. Et bien sûr, en Bourgogne, on aime les fromages, hein, comme dans pas mal d'endroits en France, mais en particulier en Bourgogne avec des productions locales, et bien là, ce sera une association parfaite avec des fromages un petit peu corsés, un petit peu forts. Donc voilà, des tas d'occasions pour boire ce vin, mais surtout, le plus important, c'est de le partager entre amis. C'est là où est le meilleur. Et j'ai hâte, mon cher Gildas, de le partager avec toi et avec tous mes amis de la Dega. À bientôt de mon prochain voyage. Donc on se donne rendez-vous, à très bientôt. Aujourd'hui on est à Savigny et la prochaine fois c'est à Saint-Pétersbourg ou à Moscou.
Je te dis à très bientôt, mon ami Gildas, et santé à toi, à tous tes proches et à toute l'équipe de la Doga. À bientôt. Merci Christophe, à très bientôt. Итак, дорогие друзья, заканчивается наш визит в дом Дутенеден. Я напоминаю, что вы можете приобрести вина Дутенедена при компании Ладога в бутиках Монополь. Спасибо вам за ваше внимание. До следующей встречи. Берегите себя.